Bonjour tout le monde. On se retrouve dans un nouveau vlog presque masse. Voilà, je me maquille comme prévu en voiture. Oulala, vous allez tomber. Nous sommes en direction de Marne-la-Vallée, dans le 16e. Donc, il nous reste une heure de voiture, donc on est bientôt arrivé. Ce matin, petit test. Oh, j'ai eu mal, elle a fait dans les deux. Elle est super forte. Elle dit, j'arrive pas à atteindre. Moi, t'inquiète, je sentais bien qu'elle était au bout. Soit, donc voilà, là je me maquille et j'ai répondu à des mails, j'ai réservé le traiteur pour le nouvel an. Moi j'ai fait plein de trucs, j'ai conduit. On espère que vous allez bien, dites-nous ce que vous faites pour le nouvel an d'ailleurs. Bon, j'ai fini mon petit make-up, je fais un truc assez sobre, neutre, passe-partout, dans ce coin. Est-ce que, moi je me pose une question, c'est est-ce que tu pourras après rajouter un peu de matière pour pouvoir aller directement à la soirée? Ouais, bah oui, c'est le but. On n'en est plus là. Il y en a là-dedans. Du coup, je me suis même pas coiffée ce matin. J'ai juste passé un coup de brosse. Vu que je vais mettre un bonnet, ça sert à rien. J'espère juste un truc pour pas devoir tout retirer. C'est que s'il commence à pleuvoir à Disney et qu'on fait des attractions, on aura plein de pluie dans la gueule. Donc quand je suis revenue de Disney au mois d'octobre, genre mon mascara avait coulé, c'était la merde. Donc j'espère que ça ira. Mais j'ai trop hâte d'arriver. Pas toi? Ouais, mais je pense qu'on va sur les attractions. Ouais, mais puis franchement, si t'as pas envie d'en faire, parce que tu te sens pas, ce parc là j'ai déjà fait, donc t'inquiète, on se promène, on se mange des petites crêpes, un petit burrito. Allez, on vous retrouve quand on est au parc. Non. Moi, je voulais juste vous demander si vous aussi vous êtes sensible, si vous aussi vous avez l'oreille interne surdéveloppée, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour pouvoir vivre? Parce que je vous dis ça en rigolant, mais c'est vraiment un vrai handicap quotidien. Genre, ouais. Je suis dans l'eau, dans la mer, il y a des vagues, je suis malade. Ouais. Je suis sur une balançoire, je suis malade. Ouais. Donc, s'il y a des médecins qui nous regardent. Ouais. Comment on peut régler ce souci? Voilà. Allez, dites-nous et on vous retrouve au parc. Tout de suite. Nous venons d'arriver sur le parking de notre hôtel. Le New York, il est juste devant moi. Je vais vous montrer. Il est là. Ils ont reconstitué une petite flopée de building. On a le check-in pas tout de suite. Dans quelques heures, donc ce qu'on a fait, c'est que on a laissé les valises dans la voiture. On a quand même pris les caouets, ça se dit comme ça, caouets en... Un manteau de pluie. Ouais, en français. Je les ai mis ici, voilà. J'avais pas trop le choix, il pleut pas encore assez que pour les mettre directement. Et j'ai regardé la météo sur la météo de l'iPhone et j'ai vu qu'il allait vraiment pleuvoir énormément dans une heure, donc on n'avait pas le choix que de le prendre parce qu'on va pas attendre. Quoi? J'ai froid. Ouais, on dirait effectivement que t'as froid. Oh, j'ai un pull en laine, j'ai un sous-pull. J'ai froid quand même. Allez, on quitte notre hôtel, on se dirige vers le parc. Il y avait moyen d'y aller, je pense, en navette. On a voulu faire une petite promenade. Donc, c'est parti, on va découvrir le parc. Bon, on va faire un test attraction avec Enzo. On va voir comment il se sent. On va faire le train de la mine. Tant qu'on n'a pas encore mangé, autant essayer. Ouais.
Et après manger, on fera des trucs soft comme Le Monde Merveilleux, je sais pas quoi, et Peter Pan. Allez. Ça fait quand même peur, hein, là, j'ai un peu peur moi. Là. Franchement, je me sens confiant. Ouais. Je pense que ça va aller. Je me souviens l'avoir fait, je me souviens que ça avait été. Ok. Donc je pense que voilà. Allez, let's go. Mets-toi à côté pour savoir si tu rentres. Voilà, ça va, ok. J'ai mes yeux qui pleurent plus que Jaja. Ça va, B, ça a été? J'ai vomi dans mon masque. Non, c'est pas vrai. Par contre, il criait bien, ça oui. C'était cool. Ouais. Bon, on va se restaurer et manger un petit burrito. C'était ici que j'étais venue au mois d'octobre avec ma pote, c'était trop bon. Donc, on revient. Nous sommes prêts à manger. Quoi? Ça va bien le réchauffer. En guise de dessert pour le fi, on part sur des churros au Nutella. Depuis qu'on va en Espagne, on en cherche. Mais ouais, les gars, c'est un truc de fou. On va en Espagne, on trouve pas de churros. C'est comme si. Je sais pas moi, c'est comme si t'allais chez le garagiste et tu pouvais pas te remplacer un pneu. Ah bon? Ah ouais? Moi, je vais pas manger ça. J'irai plutôt juste là pour manger des crêpes. J'ai plus envie de crêpes que de churros. C'est bon? Généralement, je trouve que les. Quoi? Je préfère sans chocolat quoi, avec. Allez, sérieux à ce moment-là? Mais moi, généralement, je trouve que les churros, de manière générale, ils sont souvent trop cuits et donc trop durs. Et j'entends quand tu croques dedans que c'est super dur. Enfin, j'entends que ça croustille comme des chips. Oui, quoi. Mais puis il est bien cuit, lui. Ouais. Moi, bon, je vais goûter. Ouais. Bon, le test. Alors? C'est très bon. Juste pour être sûr, je vais goûter avec du Nutella. Mais quoi? C'est mieux sans. Ouais. Mais je vais quand même manger des crêpes après. Tu veux que je te donne le petit morceau qui reste? Il est très en plastique. Ouais, par quatre. Bon, ben, plutôt que prévu, on a dû sortir l'anti-pluie. On va dire l'anti-pluie. Heureusement qu'on les avait, hein. Ouais, heureusement qu'on les Pourquoi avait. Pourquoi tu filmes pas, toi? Quoi? Pourquoi tu te filmes pas? Ben, parce que j'ai trop de. Regardez-le, qu'il est beau. Oh. Attends, mais ton truc il sert à rien, là. Franchement, je vois rien avec ma capuche. Prends compte dans quel état on doit être pour aller à Disney. Il y a un truc, une capuche, un bonnet. Au moins un masque. Et franchement, blague à part, le masque il te tient chaud. Oui, oui. Ton nez pas froid. Ouais. Vas-y. Allez, on se monte à soi. Maintenant, on va aller voir si chez Peter Pan il y a de la file. Sinon, on va chez Buzz l'éclair. Ouais. Regardez sa tête par rapport à ma main. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais rien. Regardez-moi ça. Sa tête par rapport à ma main, quoi. Il pleut même plus. Non, il pleut même plus. Mais je t'ai juste en train de m'étonner de ta carrure de dos. Ah ouais, The Rock, Dwayne Johnson.
la plus longue à votre avis, c'est pour quelle attraction? C'est pour quelle attraction? Peter Pan! Ça fait 30 minutes qu'on attend. En plus, c'est tout naze. Enfin, c'est beau, c'est très beau, c'est une belle attraction, mais elle dure 20 secondes. Donc voilà. Ça va bien. T'es déjà allé. Ouais. Il y a une semaine, deux semaines. Mon make-up ça va, hein. Il coule plus maintenant. Il est 15h, on a fait une attraction, la parade, on a mangé et on n'a rien fait d'autre. Ouais, mais on est arrivé en même temps. On est arrivé à midi et demi. Ouais. Puis on est encore là demain. Ah oui, on vous a pas dit. Lors de la parade, il y a les princesses de Disney. Enzo me dit, en montrant Cendrillon, regarde la reine. La reine. Et après, je lui dis, mais c'est Cendrillon. Il me dit, ah, et la meuf derrière, alors c'est... Oui, c'est Blanche-Neige. Ouais, c'était mal représenté. Oui. Merci. Les scanners détectent plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance Sidérale, l'infâme empereur Zurg. Son armée de robots est en train de voler les générateurs à cristaux fusion. Sans ces générateurs, nous serons tous privés d'énergie et à la merci de Zurg. Star Command a bien choisi son moment pour envoyer de nouvelles recrues. Alors, la reine est Putain, on est à 10. On est à 10. On est à Disney, c'est le mec qui a pas compris que c'est Cendrillon. Bon, hi, on est arrivé à l'hôtel. On travaille un peu, on est KO. On a mis un petit film de Noël qui passe à la télé. Et je vais vous montrer vite fait la chambre. Bah, vraiment vite fait. Bon, je suis ready, du coup je fais un smoky eyes et j'ai pas mis de verre dans mon make-up. Et voici ma tenue avec mon pantalon, mes chaussures sont en dessous. Heureusement que je les ai parce que clairement déjà comme ça je suis limite ras du sol. Voilà, avec petit crop top, petite pochette, on est go! Bon les amis, heureusement que Luffy est là parce qu'elle a posé les bonnes questions, à savoir, est-ce qu'il y a encore à l'hôtel un room service? Attends, parce que là, on n'a pas expliqué. Ouais. On a été à la soirée L'Oréal. Ah oui, c'est vrai, oui, comme vous l'avez vu. Voilà, et il est 22h15. Oui. Et on s'apprête à retourner à l'hôtel qui est à 40 minutes. On n'a pas mangé. On n'a pas mangé, là-bas, il y avait quasiment rien à manger.
manger, mais on n'allait pas là-bas pour manger de toute façon. On a regardé, il n'y a pas de room service après 22h. Donc si on rentre comme ça, on mange pas. Donc j'ai eu l'idée suivante. On s'arrête quelque part dans une rue à Paris. On regarde sur Uber Eats s'il y a des restaurants intéressants. Si pas, on continue à avancer, on s'arrête dans une autre rue, etc. etc. Là, ça fait notre troisième arrêt. Et on a trouvé un restaurant intéressant, donc on a passé commande juste maintenant. On va attendre entre 25 et 30 minutes dans la voiture. Heureusement qu'on est dans une voiture et qu'on n'est pas en Uber. Hein. Ah ouais, parce que là, ça aurait fait cher. Ça aurait été compliqué. Ouais. Donc, le livreur va arriver à notre fenêtre. On prendra le repas, on partira. Alors, encore 40 minutes 40 de route. Minutes de route. Putain, on va manger à quelle heure? Donc là, il est 22h15, plus 30, 22h45, plus 40 minutes de route. On va manger à 23h30, frère. Voilà. Bah, tu sais quoi, à la limite, on mange dans la voiture pendant que je roule. Tu me donnes comme ça ma bouffe, comme si j'étais un petit oiseau. Non, parce qu'il faut qu'on regarde en mettant une série au moins. Ah ouais, c'est vrai. Faut qu'on regarde, faut qu'on mange. Ouais, j'ai bien compris. Vraiment, journée hyper longue là. On se levait ce matin, faire la route toute la journée au parc Disney. Là, on n'a pas bouffé, on a bouffé un malheureux burrito toute la journée. Ouais, putain. En plus, on va rentrer, on va manger froid. Ouais, il y a de grandes chances, ouais. Mais bon. En plus, moi j'ai pris des pâtes carbonara, donc c'est le genre de truc que si tu ne manges pas. Tout de suite. Voilà, dans les 10 minutes, après tu manges une brique. J'en avais envie. Bon, les amis, demain. On se retrouve toujours à Disney, mais cette fois-ci, on va faire Universal et ensuite on... Universal! Qu'est-ce que je raconte, moi? On est à Disney, hein, studio. On va faire studio, hein. Oh là là, quelle honte! Je me crache dessus. Parce que c'est pour Enzo, on va à Disney, on voit la reine, hein. Et les gens en story, ils disaient, non, mais peut-être qu'ils confondent la reine des neiges. Oui, je confondais avec les reines des neiges. Non, je te jure. La reine. Hey, le roi et la reine. Je pensais que c'était la reine des neiges. C'est la vérité. Au début, j'ai failli dire, regarde la reine des neiges. Après, je me suis dit, non, elle va me prendre pour un con, je vais juste dire la reine au cas où. En fait, ça aurait été mieux que je dise tout. Ouais. C'est vrai, j'ai failli dire la reine des neiges, elle était en bleu. Ouais. Bon, les amis, on va clôturer maintenant. On se retrouve demain. Voilà. On vous dira si on a bien mangé. Ouais. Et si on est rentré sain et sauf d'ici là. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye.